Donc on se retrouve aujourd'hui pour le test de Tekken 3 sur PlayStation, sorti en 98, donc d'abord sur bande d'arcade et bien entendu après porté sur PlayStation, donc troisième opus de la série. On va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Moi c'est un opus que j'ai particulièrement apprécié et je vais vous en parler un petit peu tout au long de ce vidéo test. On va passer un petit peu par tous les modes. On va essayer de faire un tour à peu près complet dans ce vidéo test. On va commencer par le mode arcade, le mode classique de Tekken, et vous voyez directement, on a tout un tas de nouveaux personnages dans ce Tekken, et c'est vraiment un des attraits principaux. On a Xiaoyu qui est toute nouvelle, Forest Law qui est fils de Marshall Law, Oharang, Eddie Gordo, Paul toujours, King, on a Lei, Jin Kazama, fils de Jun, Mokujin, toujours une nouvelle version de Gunjack, Julia, la fille de Michelle Chang, Brian, et le docteur Voskonovic, et puis d'autres. Alors moi je vais prendre Forest Law, et vous avez aussi Gon tiré du manga du même nom. Donc on est parti sur ce mode arcade qui se décompose, on va dire, en 10 stages, 10 combats distincts, avec à chaque fois un adversaire différent. Donc c'est vraiment en fonction des personnages que vous allez avoir, que vous allez sélectionner, qui vont déterminer vraiment les personnages que vous allez combattre au fur et à mesure du temps. J'ai choisi Forest Law, donc le fils de Marshall. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est peut-être un des personnages que je maîtrise le plus dans la série. J'aime bien un petit peu son style à la Bruce Lee. Qui je trouve est tout à fait excellent, et c'est vrai qu'il ressemble, c'est à s'y méprendre, comme dirait notre ami France Dubosc, à Bruce Lee. Donc moi je kiffe un petit franchement Forest Law. Et on se retrouve déjà contre un adversaire qu'on connaît bien si on est adorateur de la série des Tekken, puisque c'est Paul Phoenix. Donc Paul Phoenix, un des des personnages favoris de vraiment des joueurs de Tekken, puisque c'est vraiment un des plus puissants personnages du jeu quand on le maîtrise à peu près correctement. Donc on se retrouve contre Paul qui est un petit peu vieilli. Pourquoi ? Parce que Tekken 3 prend place au niveau du scénario et de la trame temporelle, on va dire. Il prend place après 19 ans après les deux premiers opus qui étaient à peu près là. Hop, putain. Yoshimitsu, vous voyez, que vous connaissez également dans sa nouvelle version. Donc ouais, ce Tekken 3 qui prend place, on va dire, 19 ans après les deux premiers opus. Donc certains personnages ont vieilli, on a certains rejetons d'ailleurs, des personnages comme par exemple Forest Law qui est le fils de Marshall Law des deux premiers Tekken. On a Jin Kazama, comme je vous expliquais, qui est un des... Hop, ça c'est du combo. Qui est le fils de Jun, et puis de Kazuya Mishima, qui on a encore. On a tout un tas de personnages. On a également Oharang qui est un disciple de... Par contre, je ne me souviens plus de son nom. D'une personne qui est dans Tekken 1 ou Tekken 2, je ne sais plus exactement, puisque moi je me suis vraiment concentré sur cet opus, puisque c'était le seul que j'avais. Bon, j'ai essayé un petit peu les autres, et je vais vous expliquer un petit peu les différences qu'on peut voir entre ces différents opus de Tekken. Celui-là, vraiment, c'est absolument ce qu'il fallait à la série, puisque il a de grandes qualités à mon sens pour un jeu de baston 3D. C'est une des premières fois où Xiaoyu, pas mal, donc qui est aussi un nouveau personnage, fan de parc d'attractions, c'est la petite étudiante jap chinoise classique, on va dire un peu stéréotypée certes, mais bon voilà, elle est sympa, c'est un très bon personnage d'ailleurs entre guillemets, du jeu qui aussi, quand on le maîtrise bien, est excellent et très puissant, se révèle très puissant, voilà. Voilà, la shop pour terminer, nickel. Donc j'ai perdu ma phrase, ça y est. Qu'est-ce que je disais? Non, ça va peut-être me revenir. Les persos différents, dont des rejetons. Voilà, ce que je voulais dire, c'est voilà. Cet opus-là de Tekken 3 est vraiment ce qu'il fallait à la série. Il a amélioré vraiment le concept en tout point, notamment déjà dans un premier temps au niveau de la rapidité et la vitesse du jeu. C'était quelque chose d'extrêmement important à mon sens sur un jeu de baston, que vous savez comme moi qu'il existe un petit peu deux écoles au niveau du jeu de baston. On a le jeu de baston 2D classique à la Street Fighter, dont
dont je suis particulièrement adepte également. C'est vrai que j'ai beaucoup joué à Street Fighter, notamment, également à Mortal Kombat dans mes jeunes années, on va plutôt peut-être même dire dans mon enfance, je suis pas si vieux que ça. Et vous avez une deuxième école qui est le jeu de baston 3D. C'est vraiment deux écoles différentes. Et c'est vrai que au départ, sur ce type de jeu, ça souffrait d'une extrême lenteur. Et du coup, les aficionados vraiment du jeu de baston 2D qui s'y sont essayés sont tout de suite revenus à leur premiers amours, qui est le jeu de baston 2D. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que c'est nettement plus rapide. Alors vraiment, les défauts dont souffrait ce premier... les deux premiers opus de Tekken, c'était une certaine lenteur, et je suis assez d'accord avec eux, dans le sens où en ce qui concerne les sauts, l'enchaînement des prises, c'était pas tout à fait super rapide. C'est vrai que on avait une certaine lenteur au niveau de l'enchaînement des combos et des sauts, et ça pouvait se révéler très pénible et surtout très poussif au niveau de la jouabilité, bien que le concept et ses bases étaient déjà présents. Concept que je vais vous présenter un petit peu, et puis juste pour terminer là-dessus, c'est vrai qu'on pourrait même dire qu'il y a une troisième école du jeu de baston, les Pro Virtua. Alors c'est les Pro Virtua Fighter. C'est vrai qu'il y a une certaine opposition de style entre les adeptes de Tekken et ceux qui adorent Virtua Fighter, qui est, semble-t-il, un petit peu plus technique. C'est vrai que j'avais joué un petit peu à Virtua Fighter sur Dreamcast, si je me souviens bien, il y a quand même de cela moins longtemps que Street Fighter, mais bon, c'est vrai que j'avais remarqué un petit peu que c'était pas du tout le même style de gameplay. Donc il y a voilà, deux écoles qui s'opposent, jeu de baston 2D, jeu de baston 3D, et puis également les Pro Virtua Fighter au niveau de la 3D, et puis ceux qui préfèrent en ce qui concerne Tekken. Vous avez aussi le jeu de baston avec armes, style Soul Calibur, donc développé, édité par Namco, qui a fait également la série des Tekken, qui aussi propose un gameplay un petit peu différent, puisque vous avez de toute façon l'arme blanche qui s'ajoute un petit peu aux skills des personnages. Donc on est déjà rendu au stage 6, je parle, mais c'est vrai que je fais pas attention. On a battu Eddie Gordo, donc qui est le brésilien du jeu, qui fait un art martial plutôt sympa, à savoir la capoeira, donc plus que sympa même, je dirais stylé. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce personnage, il est assez facile à prendre en main. Pour les débutants, il a des combos qui s'enchaînent extrêmement bien, donc ça c'est plutôt pas mal, même si d'un point de vue global, la prise en main de ce Tekken est à peu près immédiate. Une touche carré et triangle pour les coups de poing, croix et rond pour les coups de pied, plus ou moins fort bien entendu. Après, tout se joue au niveau des combinaisons. La petite originalité de Tekken, vraiment, par rapport au jeu de baston, on va dire 2D classique au départ, l'innovation, on va dire, c'était la possibilité de faire des chops. Alors je m'explique, tiens, on va rencontrer Gon, donc ça c'est plutôt sympa, sur sa plage. Gon qui est un personnage à débloquer au fur et à mesure du jeu, qui est pas forcément évident ni à maîtriser ni à combattre. C'est ce petit dinosaure, voilà, issu du manga du même nom, qui fait ici une apparition remarquée et non moins sympathique. C'est vrai que ça fait plaisir de le voir là. C'est une chope excellente d'ailleurs. C'est vrai qu'il se distingue un petit peu des autres par la faible portée de ses coups, mais vous voyez, des coups plutôt originaux avec ce fameux P notamment, qui est plutôt marrant, mais on peut le faire voler, il n'est pas si difficile que ça à combattre. Donc voilà, ça c'est pour Gon. Il a débloqué dans le mode un nouveau mode de jeu de ce Tekken 3, qui est le Tekken Ball. Je vous montrerai un petit peu, de toute façon je vais faire un tour par les modes de jeu au fur et à mesure du vidéo test. Là on commande par le mode le gros morceau, on va dire, qui va vous occuper le plus de temps, qui est ce mode arcade, puisqu'il va falloir le terminer avec la majeure partie des persos, voire tous les persos si vous voulez débloquer toutes les cinématiques de fin, histoire de voir un petit peu voilà, toutes les fins et débloquer la majeure partie des personnages. En ce qui concerne justement les persos de ce titre, vous en avez 19 au total, en comptant les personnages à débloquer.
19, donc c'est un petit peu moins que Tekken 2, si je me souviens bien, où il y en avait 23, mais ces personnages, bien qu'ils soient un peu moins nombreux, ont le mérite de souffrir un petit peu moins du syndrome de personnage doublon, je m'explique, dont le maniement en fait diffère très peu d'un perso à l'autre. Là c'est vrai qu'ils ont chacun un style assez propre, peut-être à part Nina et Anna, les deux frangines, qui ont un maniement assez similaire. Après les autres, si on compare par exemple Jin Kazama à son grand-père, qui opte pour le même style de combat, on va dire karaté façon Mishima, ils ont quand même chacun, oh joli, ils ont quand même chacun une manière bien différente de se manier, puis des spécificités, des combos particuliers liés à chacun des personnages. Donc ça c'est en ce qui concerne les persos. Là vous voyez par exemple King, je crois Iron King, le disciple de comment s'appelait Arbor King des premiers épisodes, le catcheur. Vous voyez, donc là jusqu'ici on n'a rencontré aucun personnage voilà qui se ressemblait au niveau du style de combat, et ça fait plaisir. Moi c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement, c'est le fait d'avoir vraiment un maniement des persos. Putain, il va me niquer avec sa chope de catcheur. Alors King, voilà, la chope de justement ces transitions toutes faites, ils ont chacun des personnages, des chopes qui leur sont propres, en maintenant croix et rond, et ou alors triangle et rond. Ça c'est des chocs différents que vous pouvez avoir. Vous avez la possibilité, nouveauté dans ce Tekken là, de faire des chocs en faisant le fameux sidestep, vous voyez, que je suis en train de faire là, qui est en fait un pas de côté qui va vous permettre d'esquiver une prise de l'adversaire. Et du fait que vous le chopez de côté, vous avez une nouvelle chope un petit peu différente de ce que vous aviez auparavant. Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu les chopes différentes, mais sans essayer d'aller jusqu'au chaos, parce que j'ai pas envie de me faire avoir non plus. C'est question d'honneur, tout simplement. Mais bon, voilà, ici c'est raté. C'est pas évident de parler en jouant à un jeu de combat, mais bon, voilà, j'essaie de faire mon maximum. Pour l'instant, on débrouille pas trop mal non plus. J'espère qu'on va pas y rester trop longtemps non plus sur ce mode d'arcade, parce que j'ai plein de choses à vous montrer concernant ce jeu, parce que je le connais à peu près bien, voire même très bien, parce qu'il s'agit d'un des jeux de baston de l'histoire, de mon histoire vidéoludique, que j'ai le plus essayé, bien plus même que Street Fighter. Donc j'ai une histoire assez particulière avec ce jeu, si vous voulez, puisque j'y ai énormément joué. Et je tiens à passer le petit bonjour, entre parenthèses, à Cypress Will, mon ami qui est venu me rendre visite de Lille dernièrement, avec qui on s'était un peu réessayé à ce titre. On avait un peu galéré au début, c'est vrai que la remise en main était pas tout à fait facile. Au niveau du skill, on avait un petit peu perdu, mais bon, c'est vrai que bon, voilà. Will, je te le dis, au final, sans. Putain la vache, il enchaîne avec ses chops. Au final, en se rentraînant très très peu, ça revient très rapidement. Donc ça, c'est plutôt un bon point concernant ce Tekken. Et voilà, il m'a niqué. Bon, un partout, on va essayer de se le faire rapidement cette fois-ci. Et puis deuxième petit bonjour à Bird Killer, avec qui j'ai énormément joué à ce Tekken. Alors c'était marrant pour l'anecdote. Je partais toute une après-midi et mon cher Bird Killer, mon frangin, quand je revenais de ma virée d'après, m'arrivait, me disait: ouais, je me suis entraîné et tout, tu vas voir, je vais te défoncer, tatati, tatata. Et puis au final, j'arrivais, puis toujours avec Forest Law, sans m'être entraîné davantage, et ben il avait beau avoir travaillé toutes ces combinaisons, et j'arrivais toujours à le rebattre directement. Donc c'est pour la petite anecdote. Donc je vais pas montrer les différentes shops à part la première. Ils ont également des shops spéciales en maintenant deux boutons différents. Donc vous voyez, ça c'est une des deuxièmes shops que je voulais vous montrer. Ils ont également certaines shops qui sont plutôt sympas à réaliser en faisant une combinaison particulière. Celle par exemple où je vous avais montré, il monte directement il escalade quasiment le personnage, super balayage, ça c'est génial. Il escalade le personnage et puis fait une autre chop. Donc voilà, vous avez deux chops de face, deux chops de côté différents, plus une chop spéciale, si je ne dis pas de bêtises, qui porte le nombre de chops à 5, ce qui est plutôt pas mal. Et puis voilà, après c'est vraiment en fonction de vous, comment vous allez jouer. Je vais essayer de réaliser quelque chose. Par contre, ça n'a pas été évident.
Ah non. Alors vous pouvez voilà foncer sur votre adversaire, le plaquer au sol et lui mettre toute une série de pêches dans la gueule, ultra efficace. Possibilité bien sûr pour l'adversaire de faire une parade, de se défendre. On verra peut-être ça au fur et à mesure du vidéo test. Mais voilà, gameplay assez complet. Des combos pas forcément hyper difficiles à réaliser. De toute façon, vous avez un mode practice qui est là depuis Tekken 2, qui est là pour justement vous expliquer un petit peu comment ça se passe, comment vous pouvez réaliser les combinaisons et les shops. Donc ça, je vous conseille, voilà, dès que vous avez un personnage qui vous plaît un peu plus que les autres, bah, de passer par cette case qui va être quasiment obligatoire pour connaître un petit peu les combinaisons, voilà. Après, sachez que voilà, je sais pas s'il existe encore, mais moi à l'époque où j'avais ce jeu, on avait le guide officiel de Tekken, photocopié bien entendu, qui faisait au moins 150 pages, je crois, avec l'histoire des persos, les différentes possibilités. C'était une soluce complète en fait, qui vous permet de connaître toutes les caractéristiques des personnages, toute la liste des combos, où et comment, sous quelles conditions on pouvait débloquer les personnages du jeu. Là, on se retrouve vers le boss du jeu qui est Ogre. Donc Ogre, je crois qu'il est depuis Tekken 2, il a absorbé certains persos de la série, à savoir Jun Kazama, la mère de Jin. Il a notamment absorbé le maître de Doharang. Allez, on va se le faire comme ça, comme un fennec au sol. Alors ça, c'est le genre de prise qui peut vraiment casser les couilles à votre adversaire quand vous jouez à deux. Mais bon, voilà, moi j'affectionne tout particulièrement. C'est un coup de chacal, mais voilà, quand c'est nécessaire, il faut y aller. Donc là, vous voyez, petite cutscene où Hog va absorber et Ashi, et voilà, on se retrouve avec sa transformation finale, à savoir True Ogre, qui est pas forcément difficile. Il est bien que puissant, il y reste tout de même très lent, et vous voyez, on le maîtrise sans trop forcer. Mode arcade, je tiens à préciser, qui même en mode hard se fait très très facilement, même avec un perso que vous ne maîtrisez pas. Je tiens à préciser, ça c'est un petit peu dommage, ça manque un peu de challenge. Et vous avez, à la fin, une petite cutscene liée à chacun des personnages. Et donc dès que vous finissez le perso avec un jeu, en général, voilà, vous avez la possibilité d'avoir une cutscene sympa, très bien réalisée, qui a la pêche, non moins dénuée d'humour, comme vous allez le voir ici. Plutôt excellente à voir. Et je vais vous montrer un petit peu une autre cutscene qui m'a bien plu. Donc mode arcade assez simple à torcher, même en mode hard, franchement, dès que vous maîtrisez un tout petit peu, ça va assez vite, franchement. Moi, il m'a fallu 2-3 soirées pour refaire tout ça en entier. Vous avez la possibilité de voir après chaque partie le pourcentage d'utilisation de chacun des personnages. Donc là, comme vous pouvez le constater, Forest Law arrive en tête avec Eddie et Oharang, puisque ce sont les personnages que j'utilise le plus tout au long de mes parties de Tekken. Au bout d'un certain temps, une fois que vous avez débloqué un certain nombre de personnages, vous avez accès à ce qu'on appelle le Theater Mode, qui va vous permettre de revoir sans avoir à finir le jeu chacune des cutscenes de fin. Donc nous avons les deux scènes d'intro, la scène d'arcade, d'intro du mode arcade, de la borne d'arcade, pardon, les fins de chacune des personnages, dont celle-ci qui me plaît particulièrement, celle de Mokujin, cette espèce de nouveau personnage mix qui se transforme en fait, qui peut prendre l'apparence de chacun des persos. Vous voyez, c'est mi-cinématique réelle, mi-image de synthèse. Il se fait embrouiller par sa femme pour aller chercher les seaux d'eau. Et puis, vous voyez ce qu'il voit là, ces deux gamins qui sont en train de jouer à la borne d'arcade. Et il va se faire plaisir un petit peu aussi, comme un hardcore gamer, vu la position qu'il a. Et vous voyez, il va se faire embrouiller, mais comme il se doit par moment. Vous allez voir. Et un bon uppercut des familles, histoire de le remettre directement à sa place. Donc j'ai pas fini avec tout le monde encore, et j'ai pas fait la fin avec les deux derniers personnages cachés que j'avais récupérés. Vous avez la possibilité aussi, en insérant les CD de Tekken 1 et Tekken 2, d'avoir les cinématiques aussi. Donc ça, c'est plutôt sympa, et merci de l'avoir remis, c'est une bonne chose. Et donc voilà, toutes les cinématiques sont plutôt bien faites. Franchement, auparavant, au niveau de la modélisation des personnages, on avait l'impression un petit peu d'avoir un assemblage de polygones, surtout dans Tekken 1. Là, en l'occurrence, vous avez vraiment quelque chose de super sympa.
qui défonce carrément, bien mieux modélisé. On sent que la PlayStation est beaucoup mieux maîtrisée par les développeurs et ça fait plaisir. Par rapport aux deux précédents opus, les cinématiques ont beaucoup plus de pêche. Donc le practice mode, justement, fameux mode où mon bird killer s'entraînait à fond de balle pendant que moi je partais, va vous permettre voilà, d'avoir la liste de chaque combo avec les prises spéciales, etc. à réaliser, les coups spéciaux. Donc vous en avez toute une tripotée. Voilà, et puis c'est à vous de vous entraîner. Vous avez voilà, une certaine barre de dégâts qui s'affiche pour le coup spécial, voilà, une certaine barre qui s'affiche, qui vous montre un petit peu la portée de vos coups, si c'est par exemple en hauteur, en bas, au milieu, le nombre de combos et le damage que ça réalise sur votre adversaire. Donc ça c'est plutôt sympa pour voir justement quel coup est le plus simple à réaliser, quel coup vous permet d'avoir les meilleures chances de hit sur votre adversaire. Hop. Vous avez la possibilité, alors est-ce que je vais pouvoir vous le remontrer, d'effectuer un coup spécial, alors la chope de derrière justement. Vous voyez, il y a une chope derrière, hop, il y a une chope sur le côté. Oharang, il déchire avec son taekwondo, franchement c'est un des personnages les plus stylés. Une chope de l'autre côté, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est la chope de derrière. Et puis une chope, nouvelle fois, une chope spéciale. Donc vous pouvez enchaîner votre adversaire à terre. Et la deuxième chope de face, qui est celle-ci. Néanmoins stylée, voilà. Le coup spécial, je vais essayer de le réaliser. Attendez. Hop, je sais plus c'est quoi la commande exacte. Voilà, c'est celui-là. Chacun des personnages dispose d'un coup spécial qui lui permet franchement d'effectuer plus de dégâts sur votre adversaire, mais comme vous pouvez le constater, il nécessite quand même un certain temps de chargement, un certain temps de mise en route, mais bon, le résultat, est, si vous arrivez à le passer, est plus que dévastateur sur votre adversaire, et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vous rattraper dans certains cas. Voilà, donc j'ai fait le tour rapidement du mode entraînement, qui est vraiment un passage où vous allez passer si vous voulez vraiment commencer à avoir du skill dans ce Tekken, à connaître et à maîtriser les enchaînements de combos. Moi, je vous invite à y passer, de toute façon, c'est quasiment obligatoire, vous y serez, surtout, pas forcément pour le mode arcade, mais pour le mode aussi qui va vous faire revenir énormément à ce Tekken et qui offre à ce jeu une replay value énorme, qui est le mode de joueur. Tout simplement, voilà, en combat, en 1 contre 1. Vous avez donc, en termes de mode de jeu, comme je vous l'expliquais, le mode arcade, principal attrait du jeu, le mode versus à 2 personnes, le mode team battle, qui vous permet de jouer contre un adversaire ou contre l'ordinateur avec 4 à 5 personnages que vous sélectionnez vous-même, vous les enchaînez au fur et à mesure. La petite différence par rapport au Tekken Tag Tournament qui était sorti sur PS2 à l'époque, à la suite de ce volet-là, c'est qu'il n'y a aucune combinaison et de tag possible entre les deux persos, entre les persos que vous avez. Le mode time attack qui vous permet de finir le jeu le plus rapidement possible, et le mode survival qui vous permet d'enchaîner un nombre de combats infini dès l'instant que vous ne mourrez pas. Mode que j'ai pas énormément fait, en tout cas sur cette sauvegarde là, puisque je n'ai plus la sauvegarde originale de l'époque où j'avais ce jeu, lorsque j'avais, si je dis pas de bêtises, 15 ans à peu près, donc ça fait à peu près 12 ans. Voilà, je retrouverai peut-être ça un jour, on verra. Le Tekken Force Mode et le Tekken Ball Mode, et bien sûr le Practice Mode et le Theater Mode. Donc je vais vous montrer tout de suite le Tekken Ball Mode, mode qui va nous permettre justement de débloquer ce fameux gun, personnage, comme je vous expliquais, comment dire, personnage à débloquer, tiré du manga du même nom. Je vais prendre pour ce... Dès que vous le rencontrez, en fait, ça vous permet de l'utiliser. Je vais prendre pour ce Tekken Force Mode, ce Tekken Ball, un personnage peut-être qui est différent. On va prendre Brian, qui est un cyborg militaire. Vous avez plusieurs balles qui font des divers dégâts. Vous voyez la Beach Ball, 60%, la Gum Ball, 80%, et la Iron Ball, à 100% de dommages. On va prendre celle-ci et on rencontre tout de suite Heihachi Mishima, qui a bien vieilli en 19 ans, comme vous le voyez. Alors,
Hop, c'est parti. Donc vous voyez, le but c'est de frapper dans cette balle et d'infliger des dégâts à votre adversaire. Tout simplement, il n'y a rien de très compliqué. Vous êtes sur un terrain séparé par une ligne médiane, tout simplement. Là où c'est intéressant, c'est que voilà, si vous n'êtes pas obligé forcément de toucher votre adversaire, mais vous pouvez tout simplement, et merde, voilà, vous voyez, mettre la balle hors de sa portée, ce qui va lui infliger un dégât, tout simplement. On va essayer de le niquer quand même. C'est un mode voilà sympathique qui a au moins le mérite d'exister, mais qui n'est pas formidable, je vous l'accorde. Franchement, on y joue très peu, même à deux joueurs. Mais c'est un mode important qui vous permet de débloquer ce fameux petit gun, qui est un personnage assez sympa, tout mignon et plutôt drôle à jouer, qui fait des pets, etc. Enfin voilà, moi ça nous avait fait beaucoup rigoler à l'époque. C'est vrai que maintenant, voilà, Gon, je trouve que c'est un personnage un peu vite fait, quoi. Je préfère vraiment les autres persos qui ont nettement plus de charisme. Alors le fait de frapper votre adversaire, bien que ça puisse le gêner dans le sens où vous allez balancer la balle derrière lui, ne vous apporte rien, ne fera pas baisser sa jauge d'énergie. Il n'y a aucun intérêt à frapper votre perso ou à lui faire des chops si vous y arrivez. Ça n'a aucun intérêt. Le but vraiment c'est de faire un maximum de coups. Comme vous pouvez le voir, voyez. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer rapidement. Lui il va me faire un coup. J'ai impliqué un certain dégât. Voilà, vous voyez 14%. Et si j'arrive à la renvoyer, ça augmente le dégât que peut faire la balle en fait dès qu'elle revient sur l'adversaire. Vous voyez 25% là sur ce coup. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le fait de pouvoir se renvoyer successivement la balle augmente voilà, la puissance du coup qui vous sera porté si jamais toutefois vous faisiez hit par la balle ou aussi par exemple elle atterrissait derrière votre adversaire. Donc ça c'est pas mal, c'est un bon concept, mais c'est vrai que ce Tekken Ball qui se joue en plus sur un seul terrain est un mode que vous oublierez assez rapidement, qui apporte un petit peu de fun au jeu mais sans plus, tout simplement. Là c'est Gunjack que j'ai pris, donc avec contre Jin. C'est bien, vous pouvez voir un petit peu l'ensemble des personnages de cet opus. Gunjack donc qui est la version robotisée de Jack 2 qui était dans le premier, premier Tekken notamment, voilà, cette espèce d'ancien militaire je crois. Donc voilà, là c'est Jack 2, Gunjack, version robotisée par le docteur Boskonovic, que je vais vous montrer juste après justement, c'est parfait. Alors attendez, je vais essayer de me l'avoir. Putain, il va me réussir à me niquer. Alors bien sûr, suite aux dernières remarques que j'ai pu avoir sur mes vidéos en ce qui concerne notamment mon extrême speeditude quand je parle, c'est limite des moments on croirait peut-être que je suis sous exta, mais non pas du tout. C'est vrai que je parle extrêmement vite. Pourquoi? Bah notamment dans certains tests qui me tiennent à cœur, style la Staga, Star Fox, j'ai peur peut-être d'avoir tendance à oublier certaines choses. Du coup je parle assez vite, mais c'est surtout aussi un moyen pour moi de pas être poulpe qui. Oh, voilà, je suis quand même quelqu'un de dynamique et pas totalement autiste. Mais c'est vrai que j'ai tendance à parler vite. Je vais essayer de ralentir un petit peu. Qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. de ralentir un petit peu le débit. Puisque c'est vrai que ça peut avoir tendance à saouler. Ce que je comprends. Cet excès de pêche. Pas de pêche, voilà, parce qu'on est dans un jeu de baston, mais c'est excès de patate que j'ai à commenter les vidéos, donc je vais essayer de calmer un petit peu le jeu, tout doucement. Voilà, on va sortir d'ici, de ce mode, et je vais vous montrer tout de suite un mode qui m'a particulièrement fait plaisir en achetant ce Tekken 3, c'est le mode Tekken Force. Alors Tekken Force, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement un beat'em all, et oui, un beat'em all. Je vais vous montrer tout ça avec Eddie, qui est plutôt un personnage qui me plaît. C'est mon deuxième personnage préféré, puisque ses coups s'enchaînent assez facilement, sont relativement puissants. Et puis comme je vous disais, il est assez stylé. Chacun, ils ont un art martial différent, et c'est pas répétitif, donc ça c'est plutôt sympa. Donc ça y est, on se retrouve dans ce Tekken Force, une sorte de beat'em all. Petit coup spécial à rater. Petit regret concernant
ce Tekken Force, ce Beat'em All, c'est déjà dans un premier temps de ne pas avoir affaire en termes d'adversaire à des loubars classiques comme dans les bons vieux beats à l'ancienne. Ça, c'est vrai que c'est un petit regret de mon côté. Vous avez 4 types d'ennemis. C'est en fait la soldatesque de Mishima, en fait, ses gardes. Vous avez les crocs, les owls, les hawks et si je dis pas de bêtises, crow, owl, hawk et falcon, voyez, chacun avec une barre d'énergie différente, et plus vous allez avancer dans les stages du jeu, plus bah voilà, vous aurez des adversaires redoutables et par nombre supérieur. Donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a une espèce de petit parchemin en bas décomposé de quatre sections. Et là, c'est tout simplement le nombre de niveaux de ce mode Tekken Force qui prolonge un petit peu aussi la durée de vie du titre. Voilà, le Tekken Force, grosso modo, ça vous permet. Vous avez 4 niveaux. Alors chaque fois, vous avez un boss à la fin de chaque niveau, différent en fonction du personnage que vous allez sélectionner. Deuxième stage, vous voyez, Badlands. Donc différent en fonction du personnage que vous sélectionnez. Et à la fin, vous battez contre Hayashi Mishima. Voilà. Donc vous avez un timer, comme vous le constatez en haut, avec les 70 secondes. Forcément, le time over signifie tout simplement le game over. Ça, j'imagine que vous aviez largement deviné. Et en fonction des coups que vous allez porter à vos adversaires, vous conservez et vous gagnez quelques précieuses secondes dans votre quête, justement, du niveau ultime, puisque ce mode Tekken Force va vous permettre, et merde, putain, jouer comme une bille, va vous permettre de... On va recommencer. Ce mode Tekken Force va vous permettre, comme je disais, de débloquer le docteur Boskonovich, qui est justement ce personnage-là, créateur de Jack 2 et de Yoshimitsu. Donc je vais reprendre Eddie, par contre, parce que en général, il vaut mieux prendre un personnage assez rapide qui enchaîne bien les coups pour ce mode-là. Donc on se retrouve une nouvelle fois dans le Backstreet. Vous pouvez constater, vous avez sans doute constaté, en bas à gauche de l'écran, 3 clés différentes, de couleurs différentes. Alors il s'agit, si je dis plus de bêtises, de la clé d'or, d'argent et puis de bronze, grosso modo. Vous recevez une clé à la fin... À chaque fois que vous avez terminé le mode Tekken Force, au bout des 3 clés, vous devez réeffectuer l'entier Tekken Force, le mode Tekken Force, afin de rencontrer, si vous avez la chance d'aller jusqu'à la fin, le docteur Boskonovich, justement, qui vous permettra de le débloquer définitivement. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait plu à l'époque, de pouvoir refaire, voilà, il faut refaire quand même, c'est pas un simple mode, il va vous servir à quelque chose, c'est pas là juste pour prolonger la durée de vie, même si c'est un des premiers buts de ce mode, il va être là déjà pour vous permettre d'enchaîner un peu, de continuer à vous entraîner au niveau des coups spéciaux, mais vous permettre de débloquer un nouvel adversaire. Et le fait d'avoir mis 3 clés est une chose très intelligente de la part de Namco, puisqu'ils ont réussi justement, voilà, à prolonger bien la durée de vie du titre par le biais de ce mode. Vous voyez ce breakdance là, dédié, coup spécial, joli, 4 secondes. Super, qui va prolonger donc la durée de vie. Je me répète parce que je commence à avoir fait le tour du jeu. Donc dernier petit point négatif que je vais vous présenter juste après par rapport à Tekken Force. Alors, attendez, hop, vous voyez l'enchaînement au niveau des coups dédiés est absolument excellent. Voilà, donc j'ai réussi à avoir le premier boss. En fonction bien sûr du temps dans lequel vous terminez, vous glanez plus ou moins 2 points en fonction de votre énergie, etc. Donc ça, c'est toujours pareil, hein. Vous avez le high score en haut, histoire de bien faire à l'arcade comme à l'ancienne. Donc pour moi, le principal défaut du Tekken Force, c'est ce que vous voyez là en ce moment, des adversaires qui apparaissent au bout de l'écran, qu'on voit pas forcément tout de suite, et ça, c'est extrêmement pénible, voire même très casse-couille à la longue, puisque vous voyez pas vos adversaires arrêter. Alors des fois, vous frappez un peu dans le vide en étant collé contre l'écran, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment plu, et c'est vraiment le principal défaut de ce Tekken Force mode, qui aurait pu être un excellent
une excellente alternative au jeu d'arcade et qui malheureusement entache un petit peu la qualité de ce mode de jeu. Moi j'ai vraiment regretté, donc c'est vrai que c'est pas toujours le cas, des fois ils arrivent pile poil en plein milieu de l'écran, mais régulièrement, et vraiment régulièrement, ils vont arriver vos ennemis directement du fond de l'écran, et pour pouvoir en venir à bout, ça vous fait déjà perdre des précieuses secondes, mais en plus voilà, ça en devient assez pénible, et ça je tenais à le signaler. Donc vous avez la possibilité de vous régénérer un petit peu votre jauge de vie. Vous voyez, ils sont au bout de l'écran, c'est chiant. Alors que s'ils avaient mis un angle de vue un petit peu plus éloigné, on aurait largement pu s'en sortir. Franchement, c'était possible. En plus, c'est pas question que c'était impossible à faire. Les développeurs auraient très bien pu mettre une caméra, légèrement plus lointaine, de façon à ce qu'on voit arriver chacun des ennemis, quoi. C'est un petit peu abusé. C'est vraiment le gros reproche que je ferais à ce mode de jeu. Et pour moi, c'est très fâcheux et très regrettable, voilà. Vous voyez, encore au bout de l'écran, et ça fait chier, voilà, tout simplement. Hop là, on va avancer un petit peu, donc normalement on devrait arriver au boss qui est Gunjack, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà. Donc ça, c'est toujours les mêmes boss, hein, que vous rencontrez en fonction du personnage que vous sélectionnez. Vous avez un temps imparti aussi pour battre votre perso, qui est de 42 secondes, là en l'occurrence. C'est vrai que même si le timer principal va vous être décompté auparavant si vous n'arrivez pas là-bas. Et voyez, putain de merde. Et encore une fois, le perso qui est vraiment au bout de l'écran. Et ça, c'est casse-couille. On va essayer de le terminer rapidement, histoire que je vous montre le stage 3. Et j'arrive pas à l'avoir, j'espère qu'il va pas me niquer. Et si, bah tant pis. Donc voilà, grosso modo pour ce mode Tekken Force, on va, je pense, se quitter là-dessus. J'étais content de faire un jeu de baston après chaque fou, mon deuxième vidéo test de mon profil, qui date d'il y a déjà bien longtemps, je crois du mois de septembre 2010, parce que ça faisait tout juste quelques semaines que j'avais fait mon profil. Je vous teste un jeu de baston. Ce que j'avais dit à justement mon pote Squall 982 après son test sur Raging Blast 2. D'ailleurs, allez voir les vidéos de Squall, hein, elles sont très bonnes aussi, elles sont même tout à fait excellentes. Moi, j'avais dit, je vais tester aussi, justement, c'est marrant, un jeu de baston. Je l'avais fait un petit peu saliver sans lui dire trop ce que c'était. Il m'a pas posé la question, mais bon, je suppose qu'il va très probablement regarder la vidéo. Donc voilà, petit retour rapide vers les options, les games options, mode de difficulté. Voilà, vous pouvez choisir votre nombre de rounds, hein, le nombre de secondes illimité, 60 secondes, avoir des dommages si vous mettez en garde, qu'est-ce que vous avez, les musiques, voilà, 60 musiques, soit les musiques d'arcade, soit les musiques normales. Je tiens à préciser d'ailleurs que par rapport à la bande son, on a quand même une super bande son, beaucoup plus rock que les précédents opus, ce qui ajoute vraiment à la pêche du titre. Vous voyez, vous avez la possibilité de configurer un petit peu tout ça. Tiens, d'ailleurs, j'avais pas mis les vibrations, je vais le remettre. Nombre de rounds de 2, voilà, 40, ouais, on va mettre 40 secondes, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on avait remixé, voilà. Les records, vous voyez, par exemple, par rapport au time attack que j'ai pas fait sur cette sauvegarde là, pour tout vous avouer, vous voyez, le meilleur survivant, donc là vous pouvez mettre votre nom comme sur une borne d'arcade, 5 matchs consécutifs, je l'ai pas fait non plus, le pourcentage d'utilisation, donc vous voyez, j'ai utilisé 48 fois Forest Law, histoire de refaire un peu le jeu. Bon, ça fait quand même une certaine somme de combats depuis, et puis voilà, le pourcentage de victoire en fonction des persos que vous sélectionnez, l'ajustement de l'écran, et puis vous avez, voilà, la memory card pour sauvegarder. D'ailleurs, on va sauvegarder, et puis voilà, grosso modo c'est tout. Donc j'étais très très ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Bah, je vous remercie de les suivre et de continuer à les suivre au fur et à mesure. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'abonnent assez régulièrement. Au niveau des commentaires, bon, c'est pas encore ce qui me plairait plus au-delà des vues, c'est d'avoir davantage de commentaires pour débattre un petit peu, pour voilà, pinailler ou même me dire mes défauts. Après tout, Chef Viking, lui, s'en est pas privé de me dire, voilà, que c'est vrai que j'ai tendance à parler un petit peu vite, et je le remercie. Remarque qui m'avait été faite aussi par Birdkiller. Donc voilà, allez-y, commentez, abonnez-vous si ça vous plaît, et puis en tout cas, amusez-vous bien. C'était Yoshi pour YCreateTV et oldiesrising.com. Je vous dis à très bientôt.